C'est yes, c'est fin 9, je ne sais pas, vidéo, on va essayer de re-rush les 2900 Elo, j'étais monté à 3000. Voilà, des rushs, hein, évidemment. C'est ce qui arrive, j'ai essayé de commencer ma vidéo full mauvais match-up. Mais c'est pas grave, ça me permet de vous montrer comment remonter un des rushs. Donc, toujours avec ce deck Lockbait Sapper, il est compliqué à jouer, hein, c'est un des decks Lockbait les plus. Enfin, quand même assez skill, même s'il y a beaucoup de spam, parce que bah, il n'y a pas de bâtiment. Donc, faut quand même gérer ses défenses avec la Valkyrie et les gardes. Toujours la canonnière qui va être nerf la saison prochaine. Et voilà, on est parti directement dans la première game. Elle est partie directement contre Mathias. Ok. Du coup, comme je vous disais, j'étais à 3000 euros. Je voulais faire une vidéo. Je crois que j'ai perdu 7 games d'affilée. Ça s'est pas passé comme je voulais. Ok. Plutôt Valkyrie pour avoir un contre. Ok, bah pas de contre. Ça tue le bombardier, il avait quand même quelque chose à faire avec les gardes. Golem, je pense. Je fais sa peur en plus parce qu'il a plus sa tornade et plus son bombardier. Ok. Si là je prends ce point, il est obligé de bombardier. Et là, l'autre côté, fuit gobelin. Je laisse et je ramène un esprit de glace qui va. Qui va juste connecter. Ah si, il y a le gobelin qui met des coups en plus, parfait. Ok, sûrement du ballon, va falloir faire attention. Là, je vais profiter qu'il n'ait pas un bon cycle. En fait, le fait qu'il n'ait pas un bon cycle, c'est qu'il n'a pas son bombardier pour ses défenses. Ok. Il arrive quand même à défendre, pas de coups, GG à lui. Je vais repartir sur une princesse. Ouais, fait le gobelin, dans tous les cas, ça lui sort son bombardier évolué. Ok. De toute façon, faut que je mette la pression. Ballon, c'est compliqué avec un gel. J'en sais rien, c'est ballon, mais je pense. Ok. Ça peut être quoi d'autre? Ouais, non, bûcheron, je vois pas d'autre chose. Hein. Ok. Esprit glace ici. Ok, c'est de faire ça comme ça. J'ai vu que j'avais mon fuyé gobelin évolué derrière, c'est pour ça que je profite d'avoir des cartes sur le terrain pour mettre de la pression. Regardez à gauche. Il est obligé de gel, et pendant ce temps à droite ça met des très bons dégâts. Princesse au pont, toujours mettre de la pression. Hein. Ok. Tac. Rajouter les sapeurs. Vu qu'il a pas de flèche ou de trucs comme ça. Ça vaut le coup de push. Allez, avec l'esprit de glace. Parfait. Là, si par ballon, en plus, j'ai ma Valkyrie évoluée. Parfait. Je vais attendre que le chevalier avance. Avec un esprit de glace. Parfait. Ouais, la Valkyrie évoluée est très forte en défense. Vraiment, le cycle avec Valkyrie m'a mis bien. Et là, je vais essayer de finir avec une princesse au pont. Non, le sapeur fini, let's go. Ouais, belle première game. Bien, en fait, faut vraiment mettre de la pression contre ballon. Parce que si vous laissez mettre plus d'un ballon... Enfin... Si vous laissez mettre plein de ballons par minute, vous allez les perdre, quoi. Allez, on est reparti contre Mini Braco. Ok. Ouais, ça va être cochon royal séisme. Ok. Ça va mettre un coup de garde, je vais princesse au bon pour mettre des dégâts. Et sapeur parce qu'il va sûrement bûche, parfait. Mettre de la pression de l'autre côté aussi. Et déjà recycler son colis. Ouais. C'est chaud mais pas impossible. Ok, garde-bûche. Ok. Oh, ça reste en vie. Ok, allez, allez, connecté. Parfait, en plus j'ai pas besoin de défendre les squelettes et vous. Là, ça a mis beaucoup de dégâts les cochons rayons, c'est chaud. Ouais.
Colibuche, princesse au pont, de toute façon je suis obligé de tenter de mettre des dégâts. Là il y a sûrement cochon royaux, même pas. Ok. Je sais pas, je tente des trucs hein. Ok, j'ai tué son esprit. Oh, il est déjà un canon. Ok. Valkyrie bûche. Courage. Je prends quand même des dégâts. Ok. Je vais chercher sa reine. Ok, là il va devoir colis mon gobelin sarbacane. Oh, il a déjà recyclé sa bûche, je crois. Oh, le cycle. Ok. Ok, à droite. Ok. Faut que je recycle des fuyes à Golem parce que c'est que quand j'ai fui à Golem évolué que je peux tenter des choses. Ok. Canon. Allez, sapeurs. Ok, les sapeurs connectent. Ok, comme la sarbacane. Il va devoir capa. Ok, je tiens un truc comme ça. Allez. Avec le sapeur. Let's go. Ok, alors parti contre 7-2. Ok, ça sent le nom de joueur PK. Un bon gros boosté de PK Evo. Je l'école. Est-ce que je l'école? Attention. Ok, je suis parti contre la Sarbacane dans le fond. Je sais pas si juste esprit glace, là, ça peut pas suffire. Ouais, voilà. Au moins, je l'avais call, PK Evo. Je sais pas pourquoi, mais j'arrive parfois à savoir au pseudo. Il y en a, je sais pas comment dire, mais... Tes pseudos, ils sentent que le gars est, il joue un certain type de deck. Mais c'est une folie de jouer comme ça. Ok. Ok. Et contre-attaque. Connect s'il te plaît. Oh, y en a que un qui a connecté. One shot. Parfait. Super fantôme, je pense que je. Ouais. Garde au pont, on va voir ce que ça fait. Je suis juste comme la Sarbacane en défense. Parce que là, il a plus son fantôme. Il a plus ses gardes. Qui est obligé de partir Kava, c'est pas mal. Je vais partir avec ça au pont en plus. Et ça peur. Allez, ok, ça prend la tour, je pense. Hein. Parfait, la bûche. Un coup de garde, je pense. Tchouk. Ok. Je suis ni bien ni mal, j'ai pris une tour, mais. Il reste 8 minutes, je vais devoir défendre un gros push PK sorcier Evo. C'est au pont. Comme ça, voilà. Si par fond de meuble, il est obligé de mettre une troupe au pont. Ce qui m'arrange. Ou alors il laisse taper. Ok. Ok. Princesse côté opposé. Faut que je.
tank le sorcier ici, défendre ça comme ça. Ouais, bon, dans tous les cas, j'essaie de partir corner. Allez, un sapeur. Ok, il y en a un qui connecte. Ça, j'ai réussi à remettre des bons dégâts, mais les push PK sorcier, c'est une horreur. Ouais. Grâce à son map. Cycle les Valkyries ici pour protéger ma princesse au cas où ils partent. Ouais, néant, ça sert à rien parce que du coup ça tue quand même, mais c'était plus au cas où ils partaient sur un fantôme. Ok. Bon, je vais cycler ma bûche. Hein. Il a déjà cyclé son sorcier au lit, ok. Bon, le Golden Sarbacane fait un bon travail. Ok. Allez, avec les sapeurs. J'ai ma princesse qui pousse. Enfin, qui tape de l'autre côté. Là, j'ai garde esprit glace pour tuer le Kava. Ok. Parfait. Parfait, ok. Il va devoir défendre. Ouais. Valkyrie ici. Les princesses font de map, ça l'embête bien pour l'instant. Là, juste en cycler 1 pour cycler sur l'évolution. Je vais pas tanker. Parfait. Ok, garde. Là, je vais partir comme ça parce qu'il va sûrement essayer de défendre son PK. Ouais. La Valkyrie, allez. Ok. What? Ok, faut que je mette de la pression parce que j'arriverai certainement pas à défendre. Bon, j'avais pas vu ce qui arrive sur la tour du roi. Ok. Ok. Oh, les 40 HP, ça finit la bûche. Let's go. Et la pratique entre 80. Ok, tour de princesse, ça me va. On a 3 games des 2900. Moi, je me stabilise vers le top 700, 800, je sais pas trop ce que c'est, mais je suis pas trop loin du top 1000, mais c'est juste ouais, la méta PK mortier. Ok, ça peur de l'autre côté. Je sais pas ce que c'est, peut-être du MK bait. Ouais, c'est ça. Kickard ici. Ouais. Moi j'ai une bûche dans ce deck. C'est vrai que le MK on en voit quasiment pas. À sa sortie tout le monde disait que le MK était beaucoup plus fort que le PK. Mais pas du tout en fait parce que bah, le MK est quand même défendable alors que le PK bah, vous avez juste à le mettre dans un gros push. Et c'est la meilleure carte que de Clash Royale quoi. Sans exagération. Sur les évos qui sont sortis, je pense que le PK est peut-être la meilleure. Après, ça va dépendre encore une fois des niveaux auxquels vous jouez, parce que évidemment, une artificière à sa sortie, c'était beaucoup plus fort, mais à un niveau un peu plus bas. Le Golem Sarbacane, le Golem Sarbacane, le Golem Sarbacane, le Golem Sarbacane, le Golem Sarbacane. Ok, parfait. J'hésitais, mais la princesse elle tapait pas. Ça va être chaud, il a quand même son MK vélué. Plus ses chauves-souris, j'ai pas ma princesse en main. Ok. Bon, vas-y, pars sur ton MK. Hein. Ok. Ok. Je sais pas s'il a un mineur dans son deck. Et si, il a un mineur, a priori. Ok, comme un Sarbacane. Heureusement qu'il est là. Hein.
Ok, et là il va MK. C'est sûr qu'il va MK en défense. Donc fuit à gobelin derrière. Oh, bien joué. Il a pré-shot, mon pré-shot. Ok. Ok, allez, et ça part de l'autre côté. Ok, parfait, elle prend pas de coup, donc elle est pas à portée de zap. Oh, la fin de game est très tendue là. On a 3 tours en dessous de 1000 HP, enfin vers les 1000 HP. Ok, là-bas, allez, princesse, tue les chauves-souris vite. Ok, allez, 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 à la princesse. Allez, la princesse. Let's go. Elle est repartie contre Enjoycer, qui est un peu moins de trophée. Qui garde ici, normalement, ça défend parfaitement. Parfait. Ok. Ok, je vais voir. Oh, c'était sûr qu'il avait une bûche, mais au moins ça met des bons dégâts les gardes de l'autre côté. Ok. Logbait BDF, ok. Intéressant. Tu vois comme la Sarbacane est protégée par la Valkyrie. Parfait. Il va chercher sa princesse. Allez, là il va partir gang. Dommage. Je sais pas s'il a sa BDF en main ou pas. Si oui, c'était quand même un peu risqué de partir sapeur. Ok, il va aller, il a sûrement gang, ouais. Ok, pas mal. Garde ici. Ça va, j'arrive bien à voir où sont ces vrais fufu et gobelins. Faux fufu et gobelins. Juste partir sapeur, le. Ok, je pensais qu'il allait sortir sa bûche. Non. Le x2 va arriver, je vais peut-être avoir un bon push là. Là, je vais juste partir princesse. Il peut me la BDF. Ok, je vais rien faire sur cette princesse. Quoique là. Il a lâché sa bûche. Tac, parfait. Valkyrie qui tank, il est obligé de. Et ça peut arriver, bien joué. Mais ça va quand même être des bons dégâts de l'autre côté. Tue la princesse? Non, ma princesse va tuer la sienne. Chaud. Ok. Il est, je crois, il est sur l'intérieur là. Parfait. Ça va. Cette game, je suis plutôt content pour l'instant comment je la joue. Je suis pas sûr que ça touche ici, non. Ok, les TDE, parfait. Ok, je vais faire ça. Fuyez gobelin. Ok. Tout. Je vais essayer quelque chose là. Ah. Ok, ça, je mets des bons dégâts de l'autre côté, j'avais pas vu. J'ai pas l'impression d'être très bien d'élixir. Ok, je mets quelque chose. Ah, dommage. Je vais rien rajouter au cas où ils mettent une TDE. Peut-être sapeur ici. Pour donner de la value à la princesse, parfait. Garde.
C'est mieux de défendre si je peux sans ma bûche. Ok. Ok, là faut tenter quelque chose, la Valkyrie qui tank. Allez, la Valkyrie, les gobelins du côté de la Valkyrie, le sapeur a... Oh, dommage, mais ça a mis des très bons dégâts de l'autre côté. Oh, j'ai essayé de prêcher la princesse un peu trop tard. Je devrais quand même la tuer, mais la mienne restera pas en vie. Ok, vite esprit de glace. Ok, les sapeurs, il est obligé de BDF, ouais. Chut, 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 chut. Elle va le carrer un petit coup. Dommage. Je tank au milieu. 24 secondes. 24 secondes, il n'y a plus qu'à tanker au milieu. Valkyrie partira toujours le faux fuet gobelin du bon côté. Attention. Ok, non, j'ai pas besoin de... J'ai pas besoin de partir sur une BDF, enfin une bûche offensive. Ça va être gagné. Oh, c'était chaud. Là, on est reparti contre Soudi. Si je prends un troisième... Bon, je montre pas les games mortiers, parce que de toute façon, je me fais défoncer. Si je prends encore du mortier... Le nombre de boosted de ce deck est effarant. Pas de nerf, hein. Pas de nerf la saison prochaine, mais tranquille. Je dérush sur une carte. Une carte. Alors vraiment. Il y a 115, bientôt 116 cartes avec une nouvelle carte qui devrait arriver dans le jeu. Dans le jeu. Il en suffit d'une pour dérush. C'est... Ok. Pas trop ses plaies. Je suis pas sûr, ça one shot. Oh, l'esprit glace. Oh, l'esprit glace magnifique, Ezo. Ok. Pourquoi elle part de ce côté-là? What is that? Ok. Flèche là. Ok. Hey, connecté, connecté. Wow. Et je vais prendre 1000 de dégâts sur un mort. Non mais... Perdre une game sur... Non mais... Ok. Un mortier. 2000 de dégâts. Non mais c'est... Ouais.
Et mamie sorcière. Oh, je suis à deux doigts de gagner un 100-0. Oh, dommage. Et mon dernier game de la vidéo, je pense, contre Emile. Ça aura pas été simple, hein. Alors, je pense que je pourrais un peu remonter de mon côté. Je sais pas pourquoi parfois il y a des... Après, c'est vrai, quand il y a des joueurs qui arrivent pas à monter, et bah du coup, ils vont relancer. Du coup, forcément, si ces joueurs-là, c'est les joueurs contre lesquels j'ai pas des bons match-up, et bah ça va faire que je vais tourner contre des personnes qui... Bah qui ont un bon match-up contre moi ou contre lesquels j'ai pas des bons match-up. Donc voilà. Après, il suffit d'une bonne série et je remonterai vers le... Là, je dois quand même être top 500, donc ça va. Oh, mais mon pouce est allé sur une carte et ça m'a posé le fuyé gobelin au lieu des sapeurs. Ok. Oh non, c'est ce deck là. Ok. C'est cela. Ouais, comme la dynamite foreuse, ouais. Et des decks, waouh. Tourne en continu, le mortier, le deck PK et ce deck là. Et peut-être d'autres que j'oublie. Le molos. C'est des decks où vraiment j'ai l'impression que la carte il existe plus que une seule version du deck. Enfin, la carte est jouée dans seulement un seul deck. Ok, je pense que là je vais essayer de tenter un push. Ok. Il a pu sa bûche et j'ai mon fil à gobelin évolué. Wow. Tu la Tesla, que la princesse reste en vie au moins. Ok. Ah, il peut finir esprit de feu. Ok. Ok, il fait pas. Valkyrie, comme ça j'ai un counter push. Essayer de bûche pour prêcher à des gardes. Ok, ça va. Ça va, ça va, mais il a pas encore joué sa foreuse évolue. Il attend vraiment d'avoir le bon timing. Ok. Parfait. C'est une folie. Il tape la tour. Ok, c'est pas grave. Une foreuse. GG. Allez. Oh, il a préchatte la princesse. GG. Ok. Hey, Golemas Arbacane, s'il te plaît. Golemas Arbacane, Golemas Arbacane, Golemas Arbacane. Non. Oh. Ouais, c'était sûr. Il va me préchotte mes princesses de l'autre côté. Il faut que je tente à la limite un fuyé gobelin comme ça. Non, c'est bien joué. D'où il tape ?
Allez, la princesse au pont, s'il te plaît, maintenant. Allez, s'il te plaît. Le Golem Sarbacan. Quelque chose, quelque chose. Eh, la bûche, j'ai ma bûche, Oh, quel game pour finir la vidéo. On va finir cette vidéo à 2800 Elo. Merci à tous ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin. Donc, top 587 mondes, ça reste correct. Je suis monté jusqu'à à peu près 2900 et top 400 mondes. Donc ouais, j'aurais réussi à rajouter 2900, top 400 mondes. Et ouais, les match-ups, c'est quelque chose. Hein. Là, à la fin, les triples mortiers de suite. Et ouais. Top 3 mondes, alors je sais pas si c'est le vrai ou si il compte acheter, je sais pas. Ou non, c'est peut-être le vrai, il a juste des rushs. Donc voilà, c'est pas mal. N'hésitez pas à tester ce deck en défi classique, super défi ou dans vos rushs. Et voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Puis moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.